7 avec plus de 6 tonnes de maïs, d'un montant de 1 270 000 francs CFA, que l'association Aidons l'Afrique Ensemble AAE et son partenaire Solidarité Internationale de la Baie volent au secours de 1152 personnes déplacées victimes des attaques terroristes des 4 villages de Irim dans la commune de Rambo. La situation sécuritaire qui a amené des déplacés dans la commune de Rambo a aussi attiré leur attention. C'est dans ce sens qu'ils ont apporté un soutien. Et je note que c'est la deuxième distribution et une première phase de distribution. Et ça, c'est la deuxième phase de distribution. 5 kg par personne pour cette seconde phase de distribution. La joie se faisait lire sur les visages. Et tous souhaitent la paix aux Fassés. Notons que la commune accueille actuellement plus de 2700 et quelques déplacés internes. L'objectif, c'est toujours collaborer avec nos partenaires pour que, à chaque fois qu'il y a une situation difficile, qu'ils puissent nous apporter aussi leur soutien. Nous savons que ce n'est pas facile à tous les niveaux. Mais bon, nous partons vers eux. Peut-être ensemble, nous arriverons à résoudre la situation. Et notre souhait est que ces déplacés-là retournent dans leur village de façon paisible. C'est ça la solution finale. Bon, à l'endroit des partenaires, nous leur traduisons nos remerciements. Ça a des distances, ça a des milliers de kilomètres, mais ils compatissent à nos douleurs. Donc nous les remercions sincèrement pour les actes qu'ils posent à l'endroit de ces populations et que Dieu leur donne la force et une vie meilleure pour qu'ensemble nous arrivions à épanouir ces populations dans un environnement sain, débarrassé de toute insécurité.